Deuxième match pour les U16 dans le tournoi international du Val-de-Marne et nouveau test intéressant. Deux jours après leur match nul de but partout face à la Belgique, les joueurs de Laurent Guyot affrontaient au Plessis Trévise les Pays-Bas. Une équipe néerlandaise victorieuse du Japon 3-1 mardi dernier qui, en cas de victoire ce jeudi face aux Français, avait l'opportunité de prendre une option sur la victoire finale. Les Oranges sont d'ailleurs les premiers à se mettre en évidence, moins de 2 minutes de jeu et Justin Kluivert profite d'une passe approximative de Malang Sarr pour mettre à contribution Gaëtan Poussin, le gardien tricolore. Il faut attendre l'entame du quart d'heure de jeu pour voir la première frappe des Bleuets. Elle est signée Calvin Chilumba mais sans danger pour Mike van de Melenhof, le portier néerlandais. On retrouve à nouveau Justin Kluivert en action, bien servi par Daniel Malen, l'ailier de l'Ajax Amsterdam voit sa frappe heurter la transversale de Gaëtan Poussin avant de rebondir sur la ligne. Chaude alerte dans le camp français et manque de réussite pour le fils de l'ancien international néerlandais Patrick Kluivert, annoncé d'ailleurs aux Pays-Bas comme un grand espoir. La réponse tricolore intervient à la demi-heure de jeu. Florian Gonzalez se défait de son adversaire direct. L'appel d'Hicham Mahou est parfait, manque seulement la réussite pour le milieu de terrain niçois sur cette belle déviation. Un montant de chaque côté mais toujours 0-0 dans une rencontre où l'engagement athlétique est total et parfois même à la limite. La dernière action dangereuse de la première période est française mais la reprise du tourangeau Thomas Berthelot ne trouve pas le cadre de Van Molenhof. 0-0 à la pause est difficile de prédire le futur vainqueur de ce match où les défenses tiennent leur rang. Justin Kluivert, cette fois-ci passeur pour Tché Nounelli, tente bien de dynamiser l'attaque batave mais c'est toujours sans réussite. Une réussite que vont trouver les tricolores à la 49e minute. Michael Cuisance profite de ce bon travail de sable de Dan Zagadou pour lancer Thomas Berthelot. Malgré le retour express de Ruben Hugenhout, le tourangeau ajuste son tir et donne l'avantage aux Français. Un but qui récompense le sérieux et la détermination des hommes de Laurent Guyot depuis le coup d'envoi. Comme à leur habitude, les Oranges s'appuient sur leur 4-3-3 et leurs ailiers pour mettre en défaut l'arrière-garde tricolore. Le centre de Nounelli au deuxième poteau trouve Tai Chong qui, gêné, manque d'un rien sa reprise. À la 68e minute, l'attaquant du Feyenoord Rotterdam s'essaie à la frappe du gauche, mais Gaëtan Poussin écarte bien le danger en deux temps. À 2 minutes de la fin, Malang Sarr a encore l'énergie pour se lancer dans une belle chevauchée. Le latéral niçois dépose plusieurs adversaires, mais Van de Molenhof reste vigilant. L'action se poursuit, Michael Cuisance trouve Nabil Alioui en retrait. Sa première tentative est contrée, la deuxième n'inquiète pas le gardien du PSV Eindhoven. Dernière offensive néerlandaise dans les arrêts de jeu, Kluivert centre, Poussin se couche et se saisit sans problème du ballon. Cela sent bon la victoire pour les Français, mais l'arbitre japonais sanctionne d'un coup franc indirect le gardien bordelais, coupable d'avoir gardé trop longtemps le ballon. Daniel Malen a la balle d'égalisation au bout du pied, il s'élance et c'est le talon de Marvin Luizius qui écarte définitivement le danger. Coup de sifflet final dans la foulée, les Bleuets peuvent se féliciter, ils tiennent leur première victoire dans le tournoi. Au classement de cette 16e édition, la France et la Belgique sont en tête avec 4 points avant la dernière journée. Les Pays-Bas sont 3e et le Japon ferme la marche. Le nom du futur vainqueur sera connu samedi. La Belgique se mesurera aux Pays-Bas à 14h à Bonneuil-sur-Marne. La France défiera ensuite à 16h sur cette même pelouse du stade Léo Lagrange, le Japon.